Donc, voilà, j'ai bien laissé mon Adamantéus prendre son bain. Donc maintenant, ça va être la remise en terrarium en toute sécurité. Donc on reprend la boîte. Délicatement. Même s'il y a de la condensation, j'arrive à voir où il est. Donc on va vraiment mettre la tête du serpent. Voilà, monsieur s'est fait plaisir, il a chié dans le bain. Voilà. Vous voyez, là, il tire la langue, donc il se sert de l'organe de Jacobson pour percevoir son environnement. Il se rend compte qu'il est nouveau chez lui. Donc maintenant, il est en toute sécurité. Quand même refermer la vitre par précaution.
Donc l'avantage, c'est que là, il a vraiment pris un bain pendant plus d'une heure. Donc il est vraiment bien hydraté. Ce qui va vraiment faciliter le détachement de sa peau d'ici 3, 4, ouais, peut-être 5 jours, je dirais à peu près. Et puis me faire une super belle mue. Faut savoir aussi qu'à chaque fois qu'un serpent mue, justement, il gagne quelques centimètres. Donc vous voyez, quand je vous disais qu'il avait un voile opaque sur les yeux, vous pouvez voir que c'est comme justement, il est pratiquement aveugle. Parce que même cette partie de la rétine du serpent mue aussi. Ce qui est assez exceptionnel. Donc voilà, c'était comment faire prendre un bain en toute sécurité à un crotale de plus d'1,70 m. L'une des espèces de crotales quand même les plus dangereuses qui existent. Venin très très corrosif, très très dangereux. C'est quand même une espèce aussi super caractérielle, donc faut toujours se méfier. Mais voilà, je porte mes couilles, donc j'ai toujours cette petite appréhension à chaque manipulation. Mais si justement on est comme moi et on fait attention, on est toujours sur nos gardes. Il n'y aurait pas de souci. Bon, quoi qu'un accident est si vite arrivé, mais on essaie justement de faire en sorte qu'il n'arrive pas, dans le meilleur des cas. Donc voilà, merci de la visite. De toute façon, demain, je vais vous refaire des vidéos avec lui. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Ciao, ciao!